filled with gray. The Savior's calling to his sheep, and he will lead the way. We know his voice, we've heard it before. We know the words he says. He is the light, we'll follow him to the end. Though fires may burn and storms may rage, when darkness comes, we'll find Dear Heavenly Father, we are grateful that we are able to gather today. We are thankful that you have given us the resources to do so. Please help us feel the Spirit today and always as we navigate this difficult world around us. In the name of Jesus Christ, amen. Hey, everybody. Bonjour à tous, bienvenue à ce face-à-face de 2022. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je m'appelle Joe. Et je suis Kelly. Le thème de cette année est « Confie-toi à l'Éternel ». Ça fait partie de notre effort constant d'être comme Jésus-Christ dans chaque aspect de notre vie. C'est également l'invitation lancée dans le programme pour les enfants et les jeunes. Exactement. La phrase « Confie-toi à l'Éternel » vient d'une écriture dans Proverbes. Mais aujourd'hui, nous allons faire plus que lire une écriture et en parler. Nous allons découvrir à quoi peut ressembler le fait de se confier en l'Éternel dans votre vie et dans la mienne. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bonjour, je suis Frère Wilcox. Les autres membres des présidents généraux des jeunes gens et des jeunes filles et moi-même avons une mission. Nous voulons découvrir comment vous vous confiez en l'Éternel. Je suis ici à un cours de séminaire matinal. On peut voir qu'ils sortent tout juste du lit. Allez, venez là. Comment vous confiez-vous en l'Éternel? En lisant les Écritures tous les jours, en priant la Sainte Cène. Tu les lis tous les jours? Bon, d'accord, pas tous les jours, mais la plupart. Alors, qu'est-ce qui t'aide à te rappeler de les lire?
Un réveil sur mon téléphone, ma mère me demande. Pour moi, c'est en écoutant les incitations du Saint-Esprit tous les jours et en faisant de mon mieux de les suivre, même quand je ne comprends pas la raison pour laquelle je les reçois. En fait, je n'ai pas fait moi-même, c'était ma mère. Ah, il faut vraiment aimer maman. Alors. Oui, je dois aimer ma mère. En fait, c'est elle qui a dit « Ok, ça va ». Ça viendra. Sois patient et je sais que c'est une épreuve. Tout le monde a des épreuves. Je veux que tu regardes la caméra et que tu remercies ta mère. Merci, maman. Pour moi, la prière m'aide beaucoup. Je prie tous les soirs et tous les matins. Avoir cette communication constante est très importante pour moi pour me confier en l'Éternel, je pense, parce que si on le connaît, on peut se confier en lui. Alors, j'aime ce que tu as dit. Si on le connaît, on peut se confier en lui. Superbe observation. Kay, comment te confies-tu en l'Éternel de tout ton cœur? J'ai appris tout au long de ma vie que ce n'est pas grave si on ne sait pas tout et si on ne sait pas ce qui va arriver à l'avenir. Mon cantique préféré est « Où pourrais-je chercher ?» et particulièrement quand ça dit « Ôte ma peine ». Pour moi, les deux derniers mois ont été difficiles. Par moments, j'ai presque eu le sentiment qu'il n'était pas là pour moi. Mais en décembre, j'ai reçu un message d'une amie lors de la campagne « Éclairer le monde » et elle me disait à quel point elle tenait à moi. Et je me suis rendu compte que c'est ce qu'il manquait, c'est ce qu'il me manquait et ce dont j'avais besoin. C'est comme ça que j'ai su qu'il était là pour moi. Ce sont les petites choses dans ma vie à travers lesquelles j'ai ressenti qu'il était là pour moi et que je peux me confier en lui. Oh, j'aime beaucoup ça, merci. Nous sommes à un moment de notre vie au lycée où nous avons beaucoup de choix importants à faire. Alors évidemment, on veut laisser le Seigneur nous aider, assurer qu'on est bien sur le chemin. Concernant l'université, je me demandais, je ne savais pas ce quoi faire et donc il fallait avoir un plan. Et donc un jour, je priais, me demandant où je devrais aller. J'avais cette voix dans ma tête qui me disait, pourquoi est-ce que tu te demandes où tu dois aller? Parce que tu n'as même pas fait de recherche. Donc, je trouve que c'est intéressant de s'appuyer sur le Seigneur parce qu'il nous fait confiance beaucoup plus qu'on ne croit en nous-mêmes. Et donc, il veut qu'on essaie, qu'on apprenne par nous-mêmes. Et il faut qu'on se fasse confiance à nous-mêmes. Je suis ici avec Alina et avec Aiden. Tous vos prénoms commencent par la lettre A. Ça veut dire qu'on a une équipe de niveau A. Aiden, tu es du Missouri. Alana du Kansas et Alina, tu es de Californie. Mais vous avez tous quelque chose en commun, FSY. Parlons de votre expérience à FSY. Quelles sont les activités qui vous ont vraiment enthousiasmé? Oh là, les balles, sans hésitation. On s'y est tellement amusé. Simplement de pouvoir passer du temps avec tout le monde et danser avec les dirigeants. J'ai des vidéos sur mon téléphone des dirigeants qui dansent et j'adore les regarder. Ils sont tellement drôles. Ah oui, ces conseillers peuvent bouger, n'est-ce pas? Oui. Et toi, Aiden? Nous avons eu tant d'expériences spirituelles et d'autres amusantes aussi. Et nous avons pu y participer et nous avons pris plusieurs pizzas. On n'a pas tout mangé, en fait. Hein. C'était étonnant entre 11 garçons, mais c'était une expérience vraiment cool. C'est amusant. Alana, tu te rappelles la soirée de jeu? Oui, j'allais dire que cette soirée jeu était probablement un de mes moments préférés. On ne parle pas de jeux électroniques, hein. On ne parle pas de jeux de société. Parle un peu des jeux auxquels nous faisons référence. Oui, j'adore ces jeux parce qu'ils se passent dehors et ils sont très actifs et on peut courir partout. C'est vraiment amusant. J'ai aimé comment les conseillers ont réussi à les relier à l'Évangile. Pour chaque jeu, ils nous les présentaient, on y jouait, puis ils nous expliquaient le rapport avec l'Évangile. J'ai trouvé ça génial. Alina, comment FSY t'a aidé à te confier en l'Éternel? Pour moi, FSY m'a aidé à me rendre compte que quand je traverse des épreuves ou subis des tentations, je dois avoir la foi. La réunion de témoignage, toutes les leçons enseignées par les dirigeants, il y avait des conseils qui mentionnaient le fait de se confier en l'Éternel. C'était vraiment merveilleux d'assister à tous ces cours et à ces différentes veillées et de faire grandir mon témoignage et en apprendre plus sur moi-même et ma relation avec le Sauveur et Père Céleste. Et de comprendre que je suis une fille de Dieu et qu'il m'aime et me connaît. Et il a un plan pour moi et il me mettra là où il veut que je sois.
C'est comme si chaque étude de l'évangile personnel, chaque veillée, chaque discours, tout traitait de pourquoi nous sommes ici, de qui nous sommes. Et j'ai reçu un profond témoignage de ma relation avec mon Père Céleste, et j'y pense tous les jours depuis FSY, parce que ça a eu un impact profond sur ma capacité de me confier en Dieu, parce que je le connais et je connais la relation que j'ai avec lui, et à cause de cela, tout ce que je pense devoir savoir, je n'ai pas réellement besoin de le savoir parce que je peux avoir confiance à cette relation jusqu'à ce que je comprenne tout. Oui, j'aime beaucoup ça. Beaucoup de gens disent « Oh, les jeunes d'aujourd'hui sont terribles. Les jeunes d'aujourd'hui ont des problèmes. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous dérangés. » Mais ils n'ont jamais eu l'occasion que j'ai eue de vous voir jouer à FSY et danser comme des fous et chanter. Et juste vraiment ressentir l'espoir du monde, l'espoir d'Israël, l'espoir de l'avenir, rien qu'en vous regardant. Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde. Wow, ces expériences me donnent vraiment envie de participer à FSY. Je suis d'accord. Si c'est votre année d'aller à FSY, inscrivez-vous et allez-y, vous y apprendrez à mieux connaître le Seigneur. Et comme l'a dit l'un des étudiants de séminaire, si vous le connaissez, vous pouvez lui faire confiance. Lean not unto thine own understanding. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. E non ti appoggiare sul tuo discernimento. Comment faire pour se confier en l'Éternel? On a parlé de plusieurs façons, mais comment est-ce que vous faites pour vous confier en l'Éternel à l'école, par exemple? Benjamin? Eh bien, si je passe un mauvais moment à l'école, lors d'un examen, par exemple, alors je prie et je me confie en l'Éternel parce que je sais qu'il peut m'aider. Il peut m'aider à avoir une réponse, même si ce n'est pas à ce moment-là. Je sais qu'il sera avec moi et qu'il m'aidera. Ah oui, très bien. Président Hawkes nous enseigne toujours de faire confiance en Dieu. Et cette confiance est puissante. Alors, quoi d'autre? Quand vous vous confiez en l'Éternel à l'école, peut-être? Oui, Sam? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses à l'école. Comme les drogues, peut-être aussi les gens qui fument et tout ça. Et c'est plus important de se concentrer sur ce qui est juste que simplement être avec eux et pour que les personnes voient que nous sommes des amis. Mm-hmm. Et puis des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes comme ça à l'école. Ce qui compte, ce n'est pas leurs amis, c'est ce que pensent les autres, ce qu'ils croient pour ne pas faire ces choses. Et comme beaucoup l'ont déjà dit, il y a des problèmes qu'on rencontre à l'école. Ce sont les gens autour de nous pour la plupart du temps. Et c'est important d'être proche du Saint-Esprit. Ça nous mène là où on doit aller et ça nous aide à faire ce qu'il faut faire. Et il faut rechercher le don de pouvoir l'entendre à l'école, n'importe où. Nous devons l'entendre là où il est pour qu'il nous guide. Ouais, donc tu parles de la révélation. Ben, vous pouvez aussi recevoir la révélation, vous savez. Vous savez tous que vous pouvez recevoir la révélation, n'est-ce pas? Très bien. Je suis ici avec ma merveilleuse petite-fille, JC. Bonjour. Un jour, on ramassait des feuilles toutes les deux. Elle m'a raconté une expérience étonnante qu'elle a vécue sur la confiance au Seigneur et le rôle crucial que cela a joué dans sa vie. Tu veux bien nous la raconter? Bien sûr. J'ai entendu des choses à l'école récemment, notamment de la part de mes amis qui avaient des doutes sur l'Église. J'étais curieuse et j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai appris qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, bonnes et mauvaises. J'ai commencé à mettre ma foi en Jésus-Christ et dans l'Église en doute. Mais je me suis souvenue
d'une leçon de séminaire d'il y a quelques semaines. C'était sur Joseph Smith, dans la prison de Liberty. Nous avons parlé de comment il avait traversé cette épreuve vraiment difficile, vraiment déprimante. Une chose qu'il a faite a été de prier au lieu de se détourner. Il invoquait le Seigneur et disait « Où es-tu ?» C'est comme ça que je me sentais à ce moment. Alors j'ai prié à Père Céleste et j'ai reçu la confirmation du Saint-Esprit que l'Église est vraie et que je devais trouver de meilleures sources d'informations. Je suis allée voir des personnes intelligentes que je connais, comme mes grands-parents et l'évêque. Et l'évêque a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Doutez de vos doutes avant de douter de votre foi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui regardent maintenant? Quel conseil leur donnerais-tu sur le fait de se confier en l'Éternel? On ne peut pas juste se contenter de ce que nos parents nous disent ou ce que les dirigeants de l'Église disent. Il faut vraiment prier pour soi-même et lire les Écritures parce qu'elles contiennent beaucoup de bonnes informations et de bonnes choses. Le Saint-Esprit peut nous témoigner que l'Église est vraie et qu'on peut avoir un témoignage, même si on ne sait pas tout. Ce que tu dis, c'est que si on veut savoir quelque chose, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, exactement. Merci de nous avoir fait part de cette expérience, parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y reconnaître. Enfin, je t'aime. Je t'aime aussi. Je me reconnais vraiment dans ce que disaient JC et ces jeunes gens. C'est intéressant que des choses telles que la prière et la lecture des Écritures soient constamment mentionnées. Oui, je l'ai remarqué aussi, ce sont des choses si simples, mais elles font une grande différence pour faire grandir notre confiance au Seigneur. Je suis d'accord. Regardez cette chanson de Gabriel Lorenzo. Reconnais-le dans toutes tes voix.
Je suis ici avec deux sœurs adorables, Giovanna et Sophie. Merci de m'avoir invitée chez vous. Oui. Je suis si heureuse d'être là. Je suis heureuse. Giovanna, tu as eu la merveilleuse opportunité de participer au tournage des vidéos sur le Livre de Mormon. Tu étais dans une de mes scènes préférées quand Jésus visite les Néphites et les Amériques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle et de l'expérience que tu as vécue? Oui, je jouais le rôle de la jeune fille aveugle, l'aveugle qui est guérie par Jésus-Christ. Ce personnage, ça montre ses difficultés et son cheminement pour trouver le Christ. Et c'était très émouvant pour moi et très touchant. 3 jours avant de jouer la scène, Sophie, ici, oui, on lui a diagnostiqué un cancer. Et je suis allée sur le plateau de tournage des vidéos du Livre de Mormon. J'étais pas très bien. J'étais toujours moi-même, j'avais toujours une attitude joyeuse et je me sentais un peu mal en sachant que ma sœur était à l'hôpital. Quand on se préparait, j'allais avec mes lentilles de non-voyant et on avançait et le Christ a pris ma tête et je ne pensais qu'à Sophia. Comme si Jésus-Christ ne venait pas à moi, pas à cette fille aveugle, mais qu'il venait à la petite Sophia et la guérissait. Je pense que Sophia est très bénie de t'avoir comme sœur. Et bien sûr, tu es très bénie d'avoir une sœur qui est un ange. Oui. Après cette première heure de tournage, nous sommes partis déjeuner et je suis revenue et je n'arrivais pas à être émotive. Je me disais, je dois faire ça, je dois être émue durant cette scène, je dois toucher le cœur des gens. J'ai essayé de penser à elle encore et je pensais à Sophia. La première chose que j'ai entendue dans ma tête était, Giovanna, et toi, tu es spéciale, tu peux le faire. Sois forte, Giovanna, tu peux le faire, Giovanna. Toutes ces pensées sur le fait de m'aimer, de laisser Dieu m'aimer, c'était la plus belle expérience de ma vie. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mieux, à guérir. Je pense que c'est important que nous nous rendions tous compte que notre Père Céleste, comme tu as dit, nous connaît et nous aime. Oui, ça a vraiment fortifié mon témoignage que Dieu se soucie de tout le monde, qu'il se soucie de nous. Il veut qu'on se soucie des autres, mais il veut aussi qu'on se soucie de soi. Et par moments, on se sentira mal à l'aise ou pas très sûr des choses que nous devrions faire. Mais si on le laisse nous guider, le plus on le fait, plus on fait ça, plus on le sentira et plus on sent son amour et sa compassion et son désir de nous aider. Il faut toujours garder la vue d'ensemble. Nous voulions vous parler aujourd'hui, sur le fait de se confier en l'Éternel. Comment est-ce que vous vous connaissez? Nous sommes cousins. Vous êtes cousins? Et qu'avez-vous d'autre en commun? Nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et nous nous confions en l'Éternel. Et nous nous confions en l'Éternel. Et vous vous confiez en l'Éternel, évidemment. Est-ce que vous comptez partir en mission? Oui. Avez-vous déjà reçu votre appel en mission? Nous attendons notre appel en mission, Président. Vous attendez tous vos appels, hein? Oui. Et donc, si je comprends bien, il y a d'autres membres de votre famille qui servent actuellement en mission, n'est-ce pas? Oui. Combien d'autres? Nous avons 3 cousins qui servent dans le champ de la mission. Donc, vous avez 3 cousins qui servent dans le champ de la mission et vous serez encore 4, donc 7 membres de la famille qui serviront en même temps. Pouvez-vous nous parler d'un moment où vous êtes confié en l'Éternel? Quand la pandémie est arrivée, c'était très, très difficile. Mon parcours scolaire a été perturbé. Également le revenu de la famille. Mais je sais, j'ai prié que si je fais confiance au Seigneur, il pourvoira pour nos besoins. C'est tout ce que je peux faire durant la pandémie, c'est prier, lire les Écritures et aller à l'église régulièrement.
C'est magnifique. Je sais cela aussi. Je l'aime. Je veux lui montrer que je l'aime en partageant l'Évangile et faire ce qu'il me commande. Cette pandémie, tout ce que je peux faire est de faire confiance en Dieu et faire sa volonté. Se confier en l'Éternel signifie ne pas douter. On ne doute pas. Donc on a un témoignage ferme que Dieu est là, qu'il nous guidera. Je sais que c'est difficile, mais Père Céleste m'aide à sentir qu'il est là. Je le sais parce que j'ai un témoignage qu'il m'aime, qu'il nous aime tous. Et grâce à ce témoignage, je peux partager autour de moi que je sais qu'il est là dans nos difficultés et les épreuves que nous traversons aujourd'hui. Il est là, il nous aime. Merci, merci beaucoup. On peut voir que votre famille montre une confiance impressionnante au Seigneur. You have to fall in love with the process of becoming great. Je suis tombée amoureuse du processus de devenir quelqu'un. Moi, je suis tombée amoureuse de ce processus qui consiste à s'améliorer tous les jours maintenant. C'est ce qui me tient en haleine et me donne de la joie. Je m'appelle Olivia Moultrie, j'ai 16 ans et je suis milieu de terrain dans l'équipe des Portland Thorns de la Ligue nationale de football féminin. Je suis la plus jeune joueuse de la Ligue. Je suis professionnelle depuis que j'ai 13 ans, mais j'ai fait mon entrée cette année à l'âge de 15 ans. J'ai marqué mon premier but à 15 ans, ce qui fait de moi la plus jeune joueuse dans l'histoire de la Ligue. Olivia, raconte-nous ton histoire. Parle-nous de ta vie actuelle. Tu as 16 ans. Parle-nous d'Olivia. Commençons par le tout début. Avant tout, je suis toujours une fille de Dieu, évidemment. Nous avons toujours eu cette liste, notre religion, notre famille et ensuite le foot. Même si mes buts sont très importants pour moi et ce que je fais chaque jour, ces deux choses passeront toujours avant. J'adore t'entendre dire, évidemment, je suis une fille de Dieu. Oui. C'est important de savoir que c'est ce que tu es. Regardez l'équilibre, étant donné que je suis bien jeune, mais que je suis aussi une professionnelle, ce qui me stabilise, c'est de savoir qu'il y a toujours quelqu'un que je peux prier, quelqu'un à qui je peux parler. C'est notre Père Céleste. C'est ce qui m'apaise lorsque je suis inquiète ou que j'ai le sentiment de devoir jongler entre beaucoup de choses. Je prie avant chaque match. Avant le coup d'envoi, debout sur le terrain, je fais une petite prière dans mon cœur. J'ai commencé à le faire quand j'avais 10 ans et je continuerai toujours. Cela me rassure et je me dis ensuite que tout va bien se passer. Le prophète nous a tous invités à rassembler Israël. Le premier groupe qu'il a invité était les jeunes. À ton avis, pourquoi a-t-il invité les jeunes en premier ? Je crois qu'il sait, et le Seigneur sait aussi, la grande influence que les jeunes ont les uns sur les autres, ainsi que sur le reste du monde. On est plein de lumière et d'énergie, on apporte de l'enthousiasme. Très juste, oui. Je crois que tu as entièrement raison. Je trouve que les jeunes ont, eux, une énergie et une puissance qui fait une énorme différence. Énorme. Mais si on continue à faire le bien, à aller à l'église, à lire les Écritures, à écouter le prophète et à essayer de rester aussi proche que possible de Dieu, il nous tend la main. Il voit nos efforts et certains des apôtres et le prophète l'ont dit récemment sur une publication Instagram. Les efforts sont importants aux yeux du Seigneur. Quand on essaye continuellement de faire le bien, on finit par recevoir des bénédictions. Si on fait son possible pour être très proche de lui, il nous dira ce qu'on doit faire. C'est génial, on voit bien que ces jeunes puissent beaucoup de force dans le fait de savoir qu'ils sont enfants de Dieu. Absolument. Ils m'enseignent qu'une partie de la confiance au Seigneur consiste à faire de lui la partie la plus évidente, la plus importante de notre vie. Oui, je suis d'accord. Mackenzie et Ellie Nelson viennent du Colorado. Ils ont eu l'occasion de parler avec Garrett Bowles, un joueur professionnel de football américain, qui a appris que quand on fait confiance au Seigneur, il nous conduit parfois en des lieux inattendus.
Ellie, qu'est-ce que tu veux me demander? Une de mes histoires préférées, c'est que tu racontes, c'est quand tu étais debout dehors sur le trottoir avec tous tes bagages et nulle part où te loger, une famille t'a recueilli, t'a donné trois règles. Quelles étaient les trois règles? L'une des plus importantes est d'aller à l'église parce que c'est là qu'on noue des liens et qu'on ressent l'esprit. Une autre était de donner mon téléphone le soir. Ça éliminait les distractions avec les réseaux sociaux et tous les problèmes qu'on rencontre de nos jours. Rétrospectivement, j'ai dit « je ne veux pas de ces distractions ». C'était le moment où je pouvais me plonger dans les Écritures, je pouvais vraiment mesurer mon témoignage. Et l'autre, c'était de payer ma dîme. Je pense que ça a été une énorme bénédiction pour moi. Et donc, quelles sont les choses quotidiennes que tu as commencé à faire ou mettre en pratique dans ta vie pour faire ressentir ta confiance en Dieu? Je crois que ça a commencé quand j'étais chez moi. J'allumais mon téléphone le soir et il me restait 2-3 heures avant d'aller au lit. En fait, je les passais concentrés sur ma lecture des Écritures. Pendant cette période, j'avais des entretiens personnels avec mon évêque. Il ne faut pas avoir peur d'aller parler de ses problèmes avec son évêque. Il va vous donner des choses pour vous motiver parce que c'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Donc, je me rappelle que j'allais le voir, je lui racontais tout ce que j'avais fait dans ma vie, toutes les mauvaises choses et toutes les bonnes choses, toutes celles dont je n'étais pas fier. Mais je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour avoir une ardoise blanche devant le Seigneur, en quelque sorte. Et je me rappelle d'avoir regardé à gauche, le tableau de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Et, excusez-moi, je me souviens que l'Esprit m'a frappé comme si c'était hier. J'ai senti combien Jésus nous aime et se soucie de nous. J'ai ressenti toute la douleur et les souffrances à cause de nos actions. Chaque fois que nous avons mal, il a eu mal. Chaque fois que nous avons du chagrin, il a du chagrin. Et il a fait tout ça parce qu'il nous aime. S'il m'aime, alors je dois l'aimer. Pas à moitié, comme je l'ai fait si longtemps dans ma vie, pas à moitié, mais je dois l'aimer vraiment. Quand j'ai fait ça, j'ai su que je devais partir en mission. Et c'est que quand je suis en difficulté ou que j'ai des problèmes, je pense à cette photo, à cette image. C'est ça que le Seigneur veut que nous sachions, qu'il nous aime. Et vous citez trois choses que vous faites pour faire confiance au Seigneur. Je crois que les trois choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui sont l'Église, ma famille et le sport. Oui, c'est pareil pour moi, l'Église, la famille et le sport. Je suis une convertie récente et aller à l'Église m'a sauvé la vie. C'est génial. C'est génial d'avoir tant de points communs entre vous. Je crois que c'est à cause de ce que nous avons trouvé grâce à l'Église et notre témoignage de membres de cette Église. C'est un honneur d'être membre de l'Église. Mais laissez-moi vous dire que si vous apprenez à faire confiance au Seigneur et à garder ses commandements, il va faire de votre vie quelque chose d'inimaginable. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je me souviens des nombreuses fois où mes coéquipiers étaient malades et je leur ai fait une bénédiction. Je leur parlais de mon Église et tout le monde sait que je ne bois pas, que je ne fume pas. Avant, ils se moquaient de moi, mais plus maintenant parce que j'ai confiance au Seigneur et j'ai défendu le bien. Quand je fais ça, il me bénit et il me permet de réussir et me donne des possibilités inimaginables. Je sais que si vous le faites, vous éprouverez le même amour que celui que j'ai pour le Sauveur. Et il aplanira tes sentiers. If you had a minute to speak to the youth in the church, jeunes de l'Église, que leur dirais-tu? Que la confiance ne doit pas être forcément parfaite. Aucun de nous n'est parfait. Et souvent, ça fait très peur de faire confiance. Même si on ne réussit pas parfaitement, notre Père Céleste nous récompensera. J'ai dû faire preuve de foi au Seigneur pendant tout le processus du départ en mission. Dites-moi, quelle partie est difficile? J'ai peur des gens. Je ne suis pas du genre à aborder facilement les gens, ce qui est exactement ce que je devrais faire en mission. Je dois juste croire que je vais faire l'affaire et que le Seigneur va me soutenir dans mes efforts. Je jouais dans l'équipe de basket d'Air Force Academy depuis quelques années et pendant ma troisième année, je me suis sentie poussée à partir en mission. Ça fait peur? Oui, un peu au début, mais c'était aussi un soulagement.
avec la COVID et la vie dans ces derniers jours, le monde peut être un peu sombre et c'est si beau quand le Seigneur nous inspire et nous accorde la révélation personnelle, juste pour nous. Si tu avais une minute pour parler aux jeunes filles, aux jeunes gens dans l'Église sur la confiance au Seigneur, que leur dirais-tu? Je leur dirais de ne pas dire à notre Père Céleste et à Jésus-Christ « Comment vous aider ?» parce qu'on ne sait pas ce dont on a besoin jusqu'à ce qu'il nous bénisse. Nous espérons que vous avez apprécié écouter ces disciples de Jésus-Christ parler de ce que signifie se confier en l'Éternel. Maintenant, c'est à vous. Comment avez-vous appris à vous confier en lui? Faites part de vos expériences sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos amis et votre famille et cherchez d'autres occasions de le faire sur la chaîne Strive to Be qui sera bientôt disponible. En conclusion, nous entendrons les réflexions de Bonnie Cordon, présidente générale des jeunes filles, et Stephen Lund, président général des jeunes gens. Puis nous écouterons un dernier numéro musical, Be Thou My Vision, chanté par un missionnaire à temps plein à San Diego, Californie. Merci, Kaylee et Joseph. J'ai été touchée par les exemples que nous avons vus et votre réponse sincère à la question « Comment mettre notre confiance dans le Seigneur ?» J'aurais aimé vous écouter plus longtemps, mais j'espère que vous avez pu vous retrouver un peu chez certaines des personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui. Nous avons entendu, par exemple, que faire confiance au Seigneur de tout ton cœur signifie parfois sortir de sa zone de confort et trouver la force et le courage dans le réconfort du Sauveur. Cela veut dire que même si on ne comprend pas tout, on peut être sûr que le Seigneur nous aime. Cela veut dire reconnaître le Christ dans les bons moments et les mauvais, faire confiance à sa sagesse, son amour, son pouvoir guérisseur, le laisser nous conduire. Je témoigne que son chemin mène à la paix dans cette vie et la joie éternelle avec notre Père Céleste. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est une chose de dire qu'on fait confiance au Seigneur et une autre de vraiment le faire. Merci de nous avoir montré à quoi ressemble une vie régie par la confiance au Seigneur. Je témoigne que Jésus-Christ est digne de notre confiance totale. Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Il vous connaît parfaitement et vous aime parfaitement. Son pouvoir est à notre disposition, à tous. Où que nous soyons et quelles que soient nos difficultés, plus on lui fait entièrement confiance et plus on reçoit son pouvoir dans notre vie. Après le morceau de musique, la prière de clôture sera faite en langue des signes. Vous pouvez garder les yeux ouverts et le regarder prier. Merci de vous confier au Seigneur et sachez qu'on vous aime. In the Lord with all thine heart. Confie-toi en l'Éternel. And lean not unto thine own understanding. 지분노 지식이니 다여되어 나라나이. In all thy ways acknowledge him. 또유 잉딩타. And he shall direct thy paths. 비아 에프가톤 토노 에이야 헝아히 알루앙아. 이온나 프라베스 지지트웨. Making Joe's mocking 땅인 바나 King of Heaven.
sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Manatilikang aking panana. Dear Heavenly Father, Père Céleste, nous te remercions pour l'opportunité d'écouter les différents messages et les expériences autour du thème « Confie-toi à l'Éternel ». Merci pour le prophète qui nous guide et nous aide. Merci pour nos dirigeants. Bénis-les avec l'inspiration, s'il te plaît. Merci pour Jésus-Christ et son expiation pour nous. Aide-nous à avoir du courage pour choisir le bien et suivre le Saint-Esprit. Nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.